Salut à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo épicerie. Je suis allée à Leclerc, à côté de chez moi, car en fait je vais aller à Costco, donc je referai une vidéo épicerie Costco le 10 novembre. Donc je commence. Donc j'ai trouvé un pyjama pilou-pilou, tout mignon, avec une tête de nounours. Il y a donc le haut et il y a le pantalon. Oups. Donc avec le pantalon, pareil, tout doux. Pour cet hiver, ça va être top. Donc ça, je l'ai payé 14,95 € à la place de 22,95 €. Donc je suis super contente. Voilà. Une baguette de pain, rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai pris de la sauce salsa pour faire des nachos. J'ai trouvé un gant pour mes poilus parce que ce moment de cette année, ceux qui ont des bêtes, entre guillemets, surtout des chiens, savent que on est envahi de poils dans la maison. J'ai racheté de la fécule de maïs. J'ai acheté de la sauce à pizza, deux boîtes de céréales chocolat au lait noisette, ça je l'ai vu, et un paquet de 20 pompottes à la pomme nature. Ensuite, j'ai été contente de trouver des petits nœuds. Petite décoration de Noël. Donc j'ai pris trois fois des petits nœuds pour mettre dans le sapin. Donc comme vous l'aurez deviné, notre sapin aura de la couleur argent. Donc j'en ai trois. J'ai trouvé des pommes de pin également à mettre dans le sapin. Donc couleur argent toujours. J'ai acheté un câble HDMI pour relier mon PC à mon écran de TV pour regarder les vidéos sur YouTube, notamment ceux de Karine Vlog, Nissila, je regarde aussi Tellement Mom et Nastia 44. Je vous les conseille, si vous ne connaissez pas, allez les voir, ils sont vraiment très intéressants, ils ont des très très bonnes idées. J'ai trouvé également des petites boules avec des petits flacons de neige argent et blanc. C'est fini, je ne sais pas. Ensuite, du pain de la boulangère. C'est des gros pains pour normalement faire, ils disent faire des croques, monsieur, mais bon. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, mon mari, il est chauffeur poids lourd et il travaille de nuit. Donc, je lui fais des bons sandwichs pour qu'il tienne bien toute la nuit. J'ai acheté des crêpes Bonne Maman donc au chocolat noisette. Donc, également pour mon mari, pour mettre dans ses lunchs. J'ai acheté de la pâte à pizza. Donc, comme vous l'aurez deviné, je pense que cette semaine, on va manger des pizzas. J'ai acheté des vols au vent, donc j'adore ça moi, avec des restes de viande ou quoi que ce soit, au lieu de jeter avec une petite sauce, des champignons, c'est super bon. J'ai acheté des mini sandwichs nature également pour les lunchs de mon mari. Surtout s'il mange au volant, c'est plus pratique. Bon, pas très bien, mais bon, faut bien se faire plaisir de temps en temps. J'ai acheté un lot de 4 pains au chocolat et de 3 croissants. Ils sont vraiment, vraiment très bons. Pas aussi meilleurs que ceux de chez Costco, mais ils sont bons. Ça se laisse manger. Ensuite, c'est bientôt fini. Ensuite, j'ai acheté des Doritos donc pour faire les nachos. Les nachos, si vous ne connaissez pas, allez voir sur la chaîne de Tellement Mom. Il y a qui aussi Karine Vlog. Et
tellement même je l'ai dit. Et Nacia 44, il y a des recettes de nachos. Et j'ai goûté avec mon mari cette semaine. On s'est dit pourquoi pas tenter. Et franchement, c'est rapide. Ça prend pas de temps quand vous n'avez pas le temps de vous rentrer du travail, vous êtes fatigué. Ça vous prend, allez, on va dire un petit quart d'heure à préparer et c'est vite fait quoi. Et c'est super bon. Un lot, rien d'extraordinaire, de Paxi Ben, qui était en rabais aussi. J'ai trouvé du thé à la pêche bio. Je ne connais pas, donc à tester. J'en ai pris deux parce que le deuxième était à moins 50%. Des cornichons à la russe. J'ai acheté de l'origan parce que j'en avais plus. Je voulais trouver à Leclerc. Je suis allée à Leclerc et à Super U, proche de chez moi. Je voulais trouver un mélange d'épices de Montréal. Je n'ai pas trouvé. Donc j'espère que je trouverai ces épices-là à Costco quand j'irai le 10 novembre. Donc des croquettes pour mon petit chaton. Et le dernier sac. Voilà. Comme je suis toute seule, il faut bien que je me réconforte. Donc, mon repas de ce soir va se finir par une tranche de saumon et un petit gâteau divorcé. J'ai aussi trouvé, c'était en rabais aussi, un 6 beefsteak haché charal. Je n'ai jamais testé. J'espère que ça sera tendre, comme la viande à la boucherie, ou au moins pas dur, quoi, on va dire. Donc, on verra bien. J'ai racheté du beurre pour faire les lunch de mon mari. Du beurre pour cuisiner, de la crème fraîche, des petites billes de mozzarella que je vais couper en fait en deux pour faire une pizza, tomate, mozzarella, champignons, mon mari adore ça. J'ai acheté du fromage à pizza, du chèvre donc pour moi, parce que mon mari n'aime pas le chèvre et moi j'adore les pizzas chèvre, miel, avec un peu de poulet dessus, c'est super bon. J'ai acheté donc également deux tranches de jambon. Du blanc de poulet pour les lunchs de mon mari. Mon mari n'aime pas trop le jambon, donc voilà. J'ai acheté du cheddar râpé pour faire des mac and cheese cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai bien. Ensuite, j'ai pris deux fois des petits suisses en mousse, j'adore. Je suis une très grande enfant. Ensuite, j'ai acheté, alors ça je ne connaissais pas. C'est Innocent qui fait ça, c'est Super Smoothie Recharge. Donc il y a dedans de la mandarine, carotte, gingembre et des graines de lin. C'est à base de vitamine B, hein, B2, B3, B6 et C. Donc voilà, j'ai pris, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris voilà ceci donc pour mettre à mon mari avant qu'il parte ou alors éventuellement le mettre dans un petit chop et qu'il l'emmène au travail s'il a un coup de barre. Chose qui peut arriver. J'ai trouvé ça aussi, je ne connaissais pas non plus. Peut-être que ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, par chez nous, c'est nouveau. Ça y était pas, parce que je regarde toujours les jus de fruits frais. Donc voilà, donc c'est également Innocent, c'est super jus du matin, donc ça c'est pour moi. Orange et orange sanguine. Voilà. Donc je vous montre. Je vous dirai si j'aime ou pas, si je rachète ou pas. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo qui a été très très rapide. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas fait de vidéo. En fait, je commence seulement sur YouTube et en fait, bah malheureusement, je n'arrive pas à trouver pour tourner. En fait, j'ai acheté une caméra, j'ai un très bon appareil photo, mais je ne trouve pas le site pour faire les montages vidéo. Donc, si vous avez quelques conseils à me donner, éventuellement, bah, lequel est très bien et simple à utiliser quand vous êtes nouvelle et que vous commencez sur YouTube. Voilà, là vous voyez, je fais ma vidéo avec mon iPhone. Donc je peux pas en fait faire des vidéos une journée complète avec moi, voir ce que je fais, voilà, toute la journée. Je peux pas parce que j'arrive pas à faire de montage vidéo. Je ne trouve pas le bon logiciel pour faire des montages vidéo. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, moi je vais
ma journée va se terminer par ranger tout ça. Je vais me préparer à manger. Je vais faire ensuite une balade avec mon chien. Il en a besoin. Donc, on part généralement une petite demi-heure tous les deux. Et moi, ça me fait du bien aussi. Donc voilà, et bah pour ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah si vous avez aimé, mettez un petit like bleu. Allez, à bientôt.